Albert Drilling, c'est un fonctionnaire d'immigration hollandais. Et son tâche est de déporter des réfugiés d'Hollande à leur pays. Et il est un homme très fond de règles et très star en hollandais. Et j'aime le personnage beaucoup. Il arrive à une petite île dans le nord de Pays-Bas, pour amener une jeune femme, Irine. Et c'est une réfugiée qui doit aller à le pays où elle est, mais elle ne sait pas de quel pays elle est. Et ça, c'est un grand problème. Donc, le roman est un jeu entre les deux. Le jeune Irine et le fonctionnaire Albert, qui sont en tout cas un peu, qui ont des vies un peu comparables. Parce que Albert est un homme qui vit dans des hôtels, qui voyage beaucoup. Et il n'a pas une vraie vie. Et le même est d'Irine parce qu'elle voyage de camp de réfugiés au camp de réfugiés. Et, ils sont un peu les mêmes gens dans ce cas. Ouais. Quand l'Europe était dans une situation comparable avec beaucoup de réfugiés de l'ex-Yougoslavie, et c'est toujours l'histoire que j'ai de ce réfugié et de ce fonctionnaire qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai toujours pensé, j'ai écrit beaucoup pour mon journal, des articles journalistiques. Et après, je pense, dans un roman, c'est aussi un sujet fort pour un roman. Et c'est aussi très important de raconter une histoire comme ça. Et pas seulement dans mon journal, mais aussi dans un roman. Ouais, c'est pas, Pristina, ce n'est pas un roman politique. Peut-être c'est un peu engagé, plus qu'en mer. Mais pour moi, c'est une histoire de deux gens. Ça, c'est le plus important. Mais pour moi, c'était aussi un expériment, parce que j'ai toujours pensé que la journalistique et les romans, ça sont deux planètes complètement différentes. Et un journaliste ne peut pas écrire des romans, parce que c'est une autre façon d'écrire. Mais après, j'ai écrit Pristina, je sais que les deux planètes font ensemble, ça c'est bon. Et c'est parce que la journalistique me donne beaucoup d'inspiration et un roman me donne la liberté. Et les deux comme ça, c'est pour moi, c'est une bonne combination. Et je ne pense pas que Quand Mère est plus littéraire que Pristina, parce que Pristina, c'est un roman, tout ça. Mais je pense aussi que c'est important de raconter des histoires qui vivent maintenant, comme avec tous les réfugiés au monde.